travaillé pas plus que ça. C'est arrivé comme ça. J'ai toujours joué en deuxième arrière. Et à l'âge de 20 ans, j'ai décalé en meneur de jeu. Donc c'est arrivé. J'ai toujours eu en moi cette envie de faire des passes, toujours eu envie de voir avant. Alain l'a très bien expliqué tout à l'heure. C'est un rebond avant d'enchaîner quoi que ce soit, où pouvait se trouver mes coéquipiers. C'est-à-dire qu'avant de faire le dribble, est-ce que je peux faire déjà une passe? Toujours cette notion d'aller vers l'avant. Et ça, on l'oublie parce que d'entrée, on vous explique qu'il faut dribbler et après faire la passe. Alors que de suite, dès que tu te retournes, si tu vois où se positionnent tes quatre coéquipiers, tu gagnes énormément de temps. Après, je ne suis pas entraîneur. Donc moi, j'ai pas de, c'est pas de solution, mais moi, je rejoins très bien ce qu'a dit Alain. Je crois qu'on l'est ou on l'est pas. C'est pas quelque chose. On peut le travailler, on va pouvoir, comme expliqué, on peut tout essayer. Mais un mec qui n'a pas la notion de ses coéquipiers et du reste, vous pouvez passer des heures et des heures d'entraînement, il n'a pas en lui, il n'a pas en lui. C'est pas quelque chose qu'on, je pense qu'on peut travailler à perdre son temps comme ça. Une autre question dans.